Il fait très nuit, hein, mais maintenant c'est le matin. Nous sommes devant le ministère des postes, des télécommunications et de la nouvelle économie numérique. Vous avez vu, il n'y a personne, il n'y a personne qui est venu. Il est déjà 5 heures. Il n'y a pas le ministre, il n'y a pas le subordonné. On va aller voir. Pour le moment, c'est fermé. Voilà, c'est fermé. On est là jusqu'à l'arrivée des travailleurs. Est-ce que le ministre sera là? On va voir. Awatou, il est 6h11. Personne d'abord. On est là. Ça, c'est le premier travailleur qui est venu à 6h32. Vous êtes le premier travailleur qui est venu à 6h32. Bonjour. Bonjour. Quel est votre sentiment? Je vais bien. Je vous dis bonjour et merci d'être là. Il est important souvent d'encourager les gens à faire ce qu'ils font. Parce que vous voir comme ça, ça motive. Et d'autres personnes verront ça et ils feront la même chose. Et vraiment, quand un chef parle, il faut respecter, il faut le faire. Et c'est tout. Sinon, c'est très, très difficile. Merci. Je vois. Bonjour. Bonjour, grand frère. Bienvenue dans le monde des affaires. Merci, voilà. Vous êtes venu en retard. Il est 6h33. Quel est votre sentiment de venir en retard? Non, j'ai un sentiment de satisfaction juste pour répondre aux appels du président de la République, Monsieur son Excellence le professeur Alpha Condé. Okay. C'est un immense plaisir pour nous de travailler pour notre pays, notre beau pays, la République de Guinée. Mais quand vous sortez, par exemple, madame ne va pas se formaliser? Non, madame ne va pas se formaliser pour ça. Au contraire, elle est dans mon esprit. Dieu merci. Oui. Donc, merci. Bienvenue, grand frère. Merci. Voilà, deux personnes d'abord, pour le moment. Deux personnes. Il est venu à 6h49. Bonjour, grand frère. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, bienvenue. Merci. Vous êtes venu en retard, 6h49. Je suis pas venu en retard, on a l'habitude de venir tout le temps, tout le moment à 6h, des fois à 6h45. Ouais. Puis qu'on est parce que nous on est toujours matinal. Ouais. Voilà. Mais normalement vous devrez être à 4h55. 4h? Non, on quitte à la maison, on habite jusqu'à Nongo, on quitte à la maison à 5h. Merci. Il est 6h52. Ah ouais, tout est fort en retard. Voilà, ça c'est le ministre qui arrive. On a que la fave l'air n'a rien. 6h57. Le ministre arrive à 6h57. Voilà, il arrive. C'est lui qui est arrivé à 6h57. Voilà. Il vient d'arriver. Il est venu en retard 6h58. On va demander, monsieur le ministre, de nous dire pourquoi il a retardé. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Voilà, quel est votre sentiment de venir en retard à 6h58? 6h58, tu trouves que c'est en retard? Ouais. Ah ouais? L'heure, c'est l'administration ouvre à quelle heure? Ouais. Votre sentiment? Quel sentiment? Oui, de venir très tôt à l'heure. Ah, tu trouves que c'est tôt? Ouais, c'est tôt. Je suis un peu en retard. J'ai pris un retard de 10 minutes. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de venir à l'état? C'est normal, c'est une habitude pour moi. Je suis toujours sur le plus matinal au travail. Je pars le plus tard aussi. Mm-hmm. C'est une habitude de travail. Donc je ne changerai pas ça. Ça ne commence pas à peine pour moi. Okay. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de votre département de venir? Non, vous pouvez constater, vous pouvez rester pour remarquer. Hein, les gens sont. Trois personnes. Ah oui, mais il n'est que 7 heures du matin. 6h59, n'a réglé. Il n'est que 7 heures. Il est que 7 heures. Il devrait être là à 4 heures. À 8 heures. Oui, parce que le président a dit même la respiration doit être contrôlée. C'est vrai? Oui. D'accord. C'est pourquoi on porte les casques. On va s'y mettre. Merci. Bienvenue. Merci. Voilà, Walto, ministre, accident de couleur, Mouna. Ah, ma sœur, Voilà, ça c'est bien ça. Tu es venu à quelle heure? Bonjour. Oui. Regarde l'heure. Il est 7h02. 7h02. Qu'est-ce qui t'a retardé? L'embouteillage. L'embouteillage ou c'est ton mari qui t'a retardé? Même pas, c'est l'embouteillage. Quel est votre sentiment de venir en retard aujourd'hui? C'est l'embouteillage, c'est pas moi. Vous n'êtes pas de véhicule? Non.
Même si j'ai vécu, j'ai horreur de venir dans ça parce que tout le temps il y a l'embouteillage. Mais est-ce que vous êtes contente de venir à l'heure? Oui. Oui. Je suis contente de venir à l'heure. Ah bon? Oui. Ton mari ne fâche pas? Non, non. Il n'est pas fâché? Non. Malgré que je suis nourrice, mais je viens à l'heure quand même. Ah, tu es nourrice? Oui. Où tu lâches le bébé? Chez ma mère. Ah, tu payes ta maman aussi? Non. Pourquoi? Comme ça. Tu l'as fatigué, ton bébé aussi va la fatiguer. C'est normal. Merci. Bienvenue. Qu'on est en retard, net, Togo. Quelle heure? Regardez l'heure d'abord. Non, je ne suis pas venu en retard car je me suis levé très tôt. Il est 7h03. Attends. Ton téléphone que tu as là. Ça, c'est le téléphone des vendeurs de Pinot. Ah, mais ça, c'est pas obligatoire. C'est pas, je ne suis pas obligé de payer les appareils Android. On dit nouvelle quoi, technologie. Et si moi, je ne suis pas nouveau? C'est là-bas le problème. Voilà ton sentiment. Bon, mon sentiment par rapport à la décision du président. Ou bien café noir n'est même rigueur. Mon café noir même. Voilà. Bon, mon sentiment par rapport à la décision du président, je trouve que ça c'est une bonne idée. Mm-hmm. Parce qu'il y a certaines personnes, eux, ne se présentent pas au service très tôt. Okay. Or, quand on est engagé dans une fonction, tu dois assumer ta part de responsabilité vis-à-vis de ce que tu fais. Voilà. Parce que ce n'est pas la personne qu'on paye, mais plutôt le travail. Mm-hmm. Et si toi, tu ne fais pas ce travail convenablement à la règle, ça tu as violé une loi. Mais toi-même tu as violé une loi. Je n'ai pas violé une loi. Où est ta bavette? Ça quand même vous avez raison. vous avez raison. Le président n'a pas dit que tout le monde n'a qu'à porter bavette. Effectivement. Cela veut dire toi tu es contre le président? Non, je ne suis pas contre le président, mais plutôt ça a été une erreur. Ah, si c'est la bavette, ton gars, ma bavette. Bavette muna kankrake. Ramini. Barakallahu fik. Vous êtes venu à quelle heure? Bon. Regardez l'heure s'il vous plaît. Il est 7h14 minutes. 7h14? Oui, oui. Vous êtes venu en retard? Bon. Oui. Quel est votre sentiment d'être à l'air aujourd'hui? Bon, mon l'air aujourd'hui, donc je suis fier d'être venu dans mon lieu de travail. Oui. Donc ça me satisfait pour ça, quoi. Donc j'aime mon travail. C'est pourquoi je suis venu à l'heure là, donc c'est ça que je peux vous dire. Merci. Bienvenue. Vous travaillez ici? Oui. Oui. Vous êtes venu à quelle heure? Je suis venu à 7h. 7h combien? 7h00. 7h00. Ouais. Mais ici dans la cour, nous, on va voir. Est-ce que c'est si vous êtes à l'heure? Voilà, 7h19. Vous êtes venu en retard? Non, je ne suis pas venu en retard. 7h20. Il vient à 7h20 minutes. Il est venu en retard. Bonjour. Vous allez bien? Oui, pourquoi vous êtes venu en retard? Il est 7h21 minutes. Je ne suis pas en retard. Le travail commence à 8h. À 8h? Oui. Mais le président a dit d'être à 4h du matin. À 4h du matin? Non, non. Voilà. Moi, je n'ai pas entendu ça. Voilà. Quel est votre sentiment d'être à l'air? Ça, c'était bien. Ça nous évite beaucoup de choses, les embouteillages et autres, et je suis fier de servir mon pays. Oui, je sais, juste un mot. Quel est votre sentiment de venir en retard parce que vous êtes à... Je ne suis pas en retard. Ah, mais il est 7h. Je ne suis pas en retard. Je viens d'arriver, je ne suis pas en retard. Oui, votre sentiment d'être à l'heure. Vous êtes là où j'ai quitté? Non. J'ai quitté la chose à Kuntia. À Kuntia. Voilà. Mais Kuntia, ce n'est pas loin. Il y a des gens qui quittent. Il y a des embouteillages, mon frère. Pardon. Bienvenue. Oui. Ouais. Vous êtes venu à quelle heure? 7h26. Ouais. Vous êtes en retard? Je ne suis pas en retard, moi. Oui. Mais... J'en ai à quelle heure? À quelle heure? Eh ben, le travail commence à 8h. Le travail commence à 8h? Oui. Voilà, quel est ton sentiment maintenant de venir? Ah oui, c'est... Ah, je reprends la question. Voilà. Mon sentiment? Oui. Mais la bavette, Amagoro, descends un peu la bavette. Mais... Parce que ça prend, ce n'est pas un verre pour toi. Comme Pagati. Voilà, c'est bien. Ton sentiment? Mais quel sentiment? Je suis habitué à venir à l'heure. Donc tu n'es pas content d'être au bleu? Eh bien moi? Voilà. Mais je suis un travailleur. Voilà. Raison pour laquelle je le fais passionnément. Okay. Parce que j'y crois à mes chances. Merci. Ah oui, j'y crois réellement à mes chances. Merci. Ah oui. Mais ta bavette là, c'est quel genre de bavette?
Eh ben, je fais pour me prouver. Ça vient du Fouta. Ravi de faire votre connaissance. Merci. Viens à 7h28. 7h28 minutes. Voilà. Bonjour. Bienvenue au service. Il est 7h28 minutes. Il est venu en retard. Bonjour, doyen. C'est la RTG. Voilà. On est venu juste vous saluer. Quel est votre sentiment aujourd'hui de venir en retard? Il est 7h28. 7h28, ouais. C'est un retard? Oui, c'est un retard. Vous vous trompez. Voilà. Non, ok, bon. Ouais, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui d'être à l'air très tôt, bleu, ouais, avec la décision du gouvernement? Voilà. Le respect des dispositions du travail. Mmh. Cette décision du gouvernement appelle à la discipline de tout le monde. Ouais. On est là. Okay. On doit être les premiers pour contrôler. Voilà, la présence effective de tout le monde. Okay. Mais madame n'a pas préparé. Banderite a dit, c'est un dit. C'est un bangoura, non? Non, Yula. Yula. Voilà. Okay. Ça, c'est les Yula. Le secrétaire général est le premier à être là. Et puis c'est normal. Voilà, c'est le ministre qui est le premier aujourd'hui. Hein? Tous les jours. Tous les jours. Oui. Ah oui. Il est là à 7h00. Ah, mais aujourd'hui, il est venu à 6h. Ah, très bien. Ah oui. Mm-hmm. Merci, monsieur Yula. Merci. Yula Mansa. Et Kachagoura. Merci. 7h30. La deuxième femme, elle vient en retard à 7h30. Madame, vous êtes en retard. Quelle est la caméraman à Nafati Sahimaya? On a eu une arnaque à tout faire en retard. Voilà. Voilà. Très bien. Bonjour, madame. Vous allez bien? Bien, et vous? Très bien. Quel est votre sentiment de venir en retard aujourd'hui? Je ne suis pas en retard. Il est 7h30. Oui. Je suis à l'heure. Ah oui? Oui. Oh, mais vous devrez être à 4 heures. Vous devez être à 4 heures. Alors déjà, c'est qui? Vous êtes qui? Oui, moi, je suis le président de la République de Kaloum. D'accord. Oui. Okay. Vous êtes dans mes locations. Ok. Excusez-moi. Voilà. Quel est votre sentiment maintenant d'être à l'air aujourd'hui pour le boulot? Bien, comme toujours. Mm-hmm. Je suis... on ne peut plus. Chaque jour, j'arrive à l'heure, donc ça va. Ok. Quand il sort, le mari, il ne se formalise pas? Non, pas du tout. Il sait que je viens au boulot, donc ça va. Il est content même parce qu'il est en train de chercher la deuxième. Ah, peut-être, hein? Ah, pas peut-être, c'est ce qu'on a compris. Mais tu arrives là-bas, hein? Tu as vu, tu as des belles dentitions comme des pianos qui chantent dans les téléphones. Ah bon, hein? Ah, oui. Ok, merci. Merci. Vous êtes habillé par accident de couleur. Ah. Il y a rouge, noir. Ah, c'est ça. C'est ce qui trompe l'esprit de tonton. Un peu, hein, on dirait. Ah. Merci. Bienvenue au service. Merci. Bienvenue en retard. 7h32 minutes. Madame est venue en retard. Oui? Ah? Oui? Ah, mais tu es en retard? Il est 7h32 minutes, madame. Voilà. Le président a dit d'être là à 4h. Hey, hey. Pourquoi vous êtes venu à 7h32 minutes? 4h du matin, le président a gagné. Vous avez gagné, toi, vous avez gagné. Je connais, c'est mon fils. Le président Acadien, viens mon collègue. Moi, le président, ben, Fabé, Moré. Président, on a 7h, Walde, 5h00. Na woro. On a une femme. Ah, dede, on a gagné. Fala Acadien. Moussa, il est retardé. Retardé. Non, mais quelle est l'heure, on a 5h. Ah, 5h. Ah. Merci. Voilà. 7h33 minutes. Ça se passe très bien. Voilà. On est en train de voir. 7h33, il est à l'heure. Bonjour tonton. Bonjour. C'est la RTG. Hey. Oui. Bonjour RTG. Voilà, quel est votre sentiment de venir en retard à 7h33? Venir en retard à 7h33? Oui, oui. Mais je ne suis pas en retard. Ah, le président a dit d'être là à 5h00. Ben, d'accord, ce retard-là, je vais m'en excuser. Là. Ok. Ouais, c'est même un problème de conscience. On doit travailler. Il y a une période qui est indiquée pour le travail. Il faut venir à l'heure et repartir à l'heure. Ah ouais. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve là à l'heure. Okay. Vous êtes content? Très content. Okay. Vous aussi, vous êtes content? Oui, on est un peu content. Mais vous n'êtes pas à l'heure là? Non, moi, je suis là depuis 4 heures. Ah, depuis 4 heures? Depuis 4 heures, nous, on était là. Oui, mais on a dit 3 heures pour vous.
Vendredi, Bira Masarama, tout le monde s'habille en blanc. Toi, tu as porté rouge. Oui, mais la Guinée drapeau rouge, Nayama. Ça yo, commence par le rouge. Yo, même les rouges. Et moi, je suis titan, je suis fini. Je suis retardataire. Non, je suis là depuis 4h du matin. Je suis là depuis 4h du matin. Depuis 4h du matin, je suis là. Suivez-moi. Les gens qui sont venus en premier, on va aller voir dans les bureaux qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que mon Facebook, est-ce que mon WhatsApp, est-ce que mon Douyin, voilà, on va aller voir comment ça se passe. Bonjour. Ouais. Ah, bonjour. Ah, je pensais que vous êtes sur Facebook là. Non. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites comme ça? Bon, là, je prépare ma journée parce que nous avons reçu une lettre de mission que le ministre a reçue qui a été éclatée par le ministre à chaque directeur. Et au niveau des directeurs maintenant, nous, les directeurs opérationnels, on a reçu chacun notre part de responsabilité et de trucs à faire. Comme à la poste ici, je suis en charge de tout ce qui est économie numérique et système d'information, et aussi directeur commercial, communication et marketing. Donc, j'ai à peu près 60% de la totalité des trois axes que nous avons choisis, c'est-à-dire le développement des services de colis et courrier, tout ça, et tout ce qui est digitalisation. C'est-à-dire aujourd'hui, on rêve que la poste soit accessible au bout du doigt, où que tu sois, que tu puisses envoyer tes courriers, tout ça. Donc là, vous voyez, un peu, je prépare ma journée avec les réunions que j'aurai avec les techniciens, les commerciaux, tout ça. Colis, 7h mardi. Il n'est pas l'heure d'abord, hein. Il est 7h. Mais là, on ne voit pas le code. Il faut un code de tracking pour savoir si c'est venu ou pas. Il y a un code ramené. Il faut un code marre. En fait, il y a des codes qu'on a. Tu as vu, au niveau de la poste. Okay. Ça, c'est juste le ticket suivi. Mm-hmm. Le code. Quoi, le code marre? Voilà. Je crois que c'est recommandé, en fait. Voilà, ça se passe comme ça que ça se passe au niveau de la poste. Tu envoies un colis, ils sont là, tu envoies le code. De venir chercher. Ça signifie que c'est pas encore arrivé. Non, je suis pas une cliente. Tu as quoi? Je suis là, je travaille ici. Oui, mais vous êtes venu à quelle heure? Il est quelle heure? Il est 8h. Vous êtes venu en retard? Non, moi je suis pas en retard. Je suis pas en retard. Désolé, je suis pas en retard. Il est 7h combien? 45. On va le faire bourrer, Nara. Ipi. Ipi. Mais il ne faut pas m'aider. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a personne ici. Ah, madame est là. Bonjour, madame. Ça va? Comment ça se passe à la poste ici? Explique-nous, oui, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Oui, vous êtes venu à quelle heure aujourd'hui? Depuis 7h10. 7h10, il est 7h48. Oui. Vous êtes en retard?
Je ne suis pas en retard. Le boulot commence à 8h30. Ouais. Si je suis déjà là à 7h, donc je ne suis pas en retard. Ton mari n'est pas fâché parce que tu sors trop tôt? Je viens avec mon mari. Ah plutôt, bon? C'est lui qui m'a déposé. Ah bon? Et lui, il s'est retourné au boulot. Au boulot. Mm-hmm. Parce qu'il n'est pas en train de chercher la deuxième. Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être que je vais te demander. Ah bon. Voilà, explique-nous comment ça se passe quand tu viens. Parce que tu avais une image, tu as vu en train de faire les Facebook. Hein? Parce que tu Facebook, je n'ai même pas mon téléphone avec moi. T'as raison. Moi, voilà. Je n'ai pas quand le téléphone viens, avec moi. Quoi, le matin? Ça, c'est les colis. Mm-hmm. On doit faire l'expédition mm-hmm. pour l'aéroport. Okay. Et ça, c'est nos différentes boîtes mm-hmm. qu'on doit classer. Ah, dans les boîtes? Dans les boîtes, oui. Okay. Donc, si on vient le matin, on fait les tri de ça pour classer. Mm-hmm. Et ça, c'est les BP Pro. Okay. On a des coursiers mm-hmm. qui font la livraison partout dans les différentes entreprises. Okay. Donc, non, ça travaille à la poste. Ça travaille très bien à la poste. Moi, je pensais que quand vous venez là, c'est de regarder Marimar. Eh, Marimar, non, on ne regarde pas ça. Nous, je n'ai pas de télé. Non, ça on ne fait pas ça, oui. Uh-huh. Parce qu'on a des... Vous avez vu des côtés uh-huh. Côté 1, uh-huh. vous avez vu ouais. Donc, 11, 6, il y a des noms. Ok. Donc, on ne fait pas ça. Uh-huh. Mais pourquoi vous retardez les colis des gens? On ne retarde pas les colis des gens. Uh-huh. Si, dès que ça vient, uh-huh. on leur dit que c'est 2 semaines l'expédition, okay. ou 1 semaine, okay. si le client est OK. Là, on envoie le colis. Vous ne faites pas pour 3 jours? Pour le moment, pas encore. Pas peut-être encore. Que ça va venir. Uh-huh. Uh-huh. C'est un boîte mail, Yatney. Tu travailles ici, ta boîte postale, c'est combien? 29,84. Est-ce que non dinar, ça m'a c'est mauvais. Eh, madame. Soumaïna Antoro, Anabi, Anna. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Le secrétariat central, ça se passe comment ici? Ça bonjour. Se passe très bien. Moi, je suis au service Jard et Équité, secrétariat central, c'est okay. monsieur. Jard et Équité, c'est bien. Vous êtes venu à quelle heure? Je suis venue à 6h45. Vous êtes contente? Très. En bon? Très. Ton mari n'est pas fâché? Pas du tout, il me comprend. Jusqu'à ce qu'on essaie de trouver ta co-épouse? Non, même pas. Ça fout l'air. Très bien, nous sommes avec chef de service. Bonjour grand frère. Bonjour. Quel est votre sentiment de venir très tôt à l'heure? Oh, je me sens particulièrement très heureux. Mm-hmm. Ça me donne le courage d'être là à l'heure. Ça me permet de donner le bon exemple. Okay. Ouais, je suis content. Voilà. Ouais. Et comme vous êtes venu très tôt le matin, vous faites quoi réellement? Est-ce que tu n'es pas sur Facebook ou bien sur YouTube? Non, non, non. Je consulte d'abord ma boîte de réception mm-hmm. pour voir si la réarchie m'a envoyé des documents que je dois saisir avant leur arrivée. C'est okay. comme ça. C'est comme ça. Ouais. Merci. Ça se passe très bien. Hein? Nous sommes déjà dans le grand bureau du ministre. Vous avez vu, depuis qu'il est venu à 6 heures, il n'arrête pas de travailler. On lui surprend. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire quoi pour nous? C'est pas facile, hein? Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce matin? Écoutez, quand j'arrive, je commence d'abord par mes mails pour voir les courriers que j'ai reçus. Et après, je reviens au bureau, je continue le boulot. OK. Donc, je prends d'ici 10-15 minutes, je descends faire une petite tournée et saluer mes collaborateurs parce que j'attends pas que ce soit eux qui viennent à mon bureau me saluer. Ok. Donc, je suis toujours celui qui va vers eux et m'assurer qu'ils ont passé d'abord une bonne nuit, qu'ils sont très en forme pour entamer la journée. Et comme ça, nous commençons par ça. Gouverne autrement qui nous amène à ça. Moi, je pensais que c'est comme le président a dit, c'est peut-être juste ça, quoi. Non. On a toujours l'habitude d'être très matinal ici. J'ai okay. toujours été matinal dans la vie, ça fait plus de 20 ans. Je me réveille toujours très tôt pour être le premier au travail. Wow. Donc, c'est déjà une habitude pour moi et ça va commencer aujourd'hui. D'accord. Bonjour, chef. Ouais, bienvenue au travail. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, ici, c'est le service qui est chargé de l'envoi des colis. Des gros colis. Des gros colis, l'expédition et la réception des colis. Mm-hmm. Mm. Par exemple, quand un client vient avec son colis, on fait l'emballage, après on pèse le poids. Le poids conformément au pays de destination. Mm-hmm. Donc on a la grille tarifaire ici. Okay.
Donc, c'est en fonction de la grille tarifaire, on localise le pays, de destination comparativement au poids. Après, le paysage. Donc, c'est dans ça maintenant, on va dire le prix, le montant à payer, ce que le client doit payer. Pourquoi toi tu fais retarder les gens ici? Non, je ne retarde pas les gens, seulement ils passent ici prendre le petit déjeuner. Ouais, petit déjeuner, il est 8h. Oui, on est là depuis, disons, 4h, effectivement. Ils viennent effectivement prendre le petit déjeuner, comme ça ils repartent pour travailler. Merci, ça se passe très bien. On a été au Maïki, et puis il m'a l'air à rien. Et puis, malin sur ma bénéfice, il y a un rapport et bas. Et puis, il y a un fond d'un fait. Peut-être que je suis un peu plus. Je suis un peu plus. C'est comme ça. Quand on vient au boulot, on passe. Mais c'est comme ça. Voilà, on prend l'air. Et pourtant, il est l'air de bureau, il est l'air de travail. Il est 8h, mais toujours on est là. Il est 8h, il refuse d'aller au boulot. Birim Fava, Debade, Anum Bignana, Birini. Et nous sommes à Biro qui fait Maragula Nisru. Et nous sommes à Maragula Nisru de Pet. What are the Mouawal qui est retardé? What are the Alabama? Wamulan, il m'a dit que Bande est retardé. Il m'a dit retardé. Il m'a dit que il m'a dit que problème. Et Birim Fava l'air actuellement. Mais pour être dans le bureau, ça c'est un autre problème. Voilà. Birim Mahade est bafé. À 8h barali. Tout le monde doit être au boulot. Et en quoi la matin, il est avec Béli Moum. En quoi la matin, il est avec Béli Moum. Ah, Péra, il est avec Béli Moum. Il est avec Béli Moum. Mais Walma Libanais, il est avec Béli Moum. Ah, il est avec Béli Moum. Il est avec Béli Moum. Il est avec Béli Moum. 500 000 francs, 1500. Ah, mais quand on tombe, il est avec Béli Moum. Il est avec Toi mo do gaade donc ko la musara puti tangri mane leri bi ni donc mo yita mati mane isi na gafe barla na musoma amusoma anu libane gafe arayo manana madi amusoma na ga musoma si na musoma amusema musoma afe na munkere parce que itan ko la matima e kan si matima mo lo yi matima mpeti ko la matima gi peti ko la munse famma gi Furuwana serina. Furuwana model mundu. Amor ibiri nyati posa. Alo mdenu. Ila kana kan yora. Akaila kana. Serina iki. Akaila kana. Adeta. Metri ila kana kan yora. Gikola misera bama gina kan jiki. Gi. Ina kama bodi be na maboya sare fi mane. No sese muni tanna. Won langa fe na mayere ko na kiri. Ki kola mabo. Ki kola sare fi mama alfa konda wo. Mama ti peti kola. He mo ke na ri maka jeune. Hari jeune tanki da ke ki mai yala. Ni ka misera bama ni. E yala mane ke. Gina na kan banga ri wa ma ri boya fe ma peti kola ri. A sumbu ma misera. Ri ke na sumbu do ni ri ke na sumbu yila. Ka be nya. Et tantôt donc qui va mettre donc ouais mindi. Afafa na la koy. Ana la koy. Hmm. Dierne. Dikere. Dikere. Hmm. Et on tout hal mare tan la ni hadi sul nan don. Eh, di sura al fa na ga won ga findi frin frin na semuna. Al fa muna falak de. Ana na falak. Aina ha fere sabe. Kon ba na fere ma be. A fere to ma ta mbe muta bal fe mu ga findi frin frin na mbara kere mbara lu ko kere. Isi na na ngbe lu so na fa ni so na don ko be. Ala kan tanga. Ah. Mula mere. Nta mi mono. Eh, kisigi na na ya. Touré Guinée. Touré Guinée. Afire foin. Merci Guinée. Anino. Tanare. Nyanyele. Memere. Oye barfato. Eh barfato le ponoto ni. Aha ponoto no. Ne nyanyele ku milion na de ko kansimati Ne nyanyele ko le ba kansi ba tu pisioni. Ade tu pisioni. Mm. De dimino o ko sene fangacho petit cola. Oh fangato ni mbia ngona ngam petit cola o. Ona. Ibara benenye. Are mbara gegeru mfamo ko nakiri ibara ku de taraba marba pe la gineta ngoya kama ko nakiri ngoyina ko la irara ko la yimir frana tu parles français mp mp oui tous les qui s'y parlent français sauf toi vraiment c'est pas